Salut à tous! Je vous propose aujourd'hui d'explorer comment on importe des fichiers dans NVivo. Donc pour importer des fichiers dans NVivo, donc quand vous êtes sur le programme classique que vous venez de le lancer et que vous commencez, vous allez en priorité importer des documents. Alors ça se passe dans Importation, donc dans NVivo 10 et NVivo 11. L'onglet ici est légèrement différent, donc cette bannière ici que vous avez en haut est légèrement différente. Dans NVivo 10, ils ont décidé d'essayer de simplifier les choses. Bon, je ne sais pas si ça simplifie dans les faits, mais en tout cas, ça rend visuellement beaucoup plus accessible ce que vous pouvez y faire. Donc, principalement pour ce qui est de l'ordre des recherches bibliographiques et de l'importation de vos données de terrain, vous ferez principalement dans Files. Donc, vous voyez, il va chercher différents types de documents et il permet actuellement de importer ici un PDF, des images. Vous voyez qu'il peut importer doc aussi, mais vous pouvez changer le type de fichier que vous cherchez pour aussi pouvoir mettre des fichiers audio, des fichiers vidéo. Alors, le type de fichier n'a pas changé en soi. On retrouve exactement les mêmes types de fichiers dans NVivo 10 et NVivo 11 qui sont possibles d'importer dans votre projet. Maintenant, ils ont décidé de faire un seul onglet et pas plein de petits différents. Dans NVivo 10 et NVivo 11, vous aviez chaque fois différents types de fichiers que vous pouviez choisir et c'était à vous en amont de choisir le type de fichier. Ici, vous avez la possibilité de, à travers un seul bouton, Data, d'aller directement les chercher, ce qui est vraiment pratique. Donc, je vais faire un bref récapitulatif de ce que vous pouvez importer ici. Je trouve que c'est intéressant, ça permet de voir les différents types de fichiers que vous pouvez importer directement dans NVivo. C'est pareil pour NVivo 11, hormis, je pense, SurveyMonkey, qui n'était pas, je pense, importable dans NVivo 11. Donc SurveyMonkey, c'est pour tout ce qui est vos questionnaires en ligne. Allez voir, c'est vraiment très très sympa. Je ne l'ai pas encore testé moi personnellement, mais j'ai déjà regardé et c'est vraiment intéressant. J'utilise d'autres programmes pour le moment. Google est très bien si vous commencez. Il vous permet de faire des questionnaires assez faciles. Donc n'hésitez pas d'aller jeter un coup d'œil. Vous pouvez importer d'autres projets. Donc si vous avez fait des projets précédemment ou qu'un membre de votre équipe l'a fait, c'est ici que vous allez pouvoir le faire. Vous avez Encapture. Encapture, c'est absolument génial. Je vous montrerai bientôt comment l'utiliser. Donc dans la suite de cette vidéo, bah forcément, l'importation de Encapture, je trouve, est hyper intéressante. Surtout à l'heure actuelle, quand on travaille avec des réseaux sociaux, c'est vraiment un outil hyper intéressant, mais aussi pour des captures d'articles qui ne sont pas possibles de télécharger en PDF ou même de blogs que vous voudriez capturer, c'est vraiment très pratique. Vous pouvez le fichier Excel, texte, etc. Donc moi, j'utilise pas trop cet onglet-ci qui est beaucoup plus quantitatif, entre guillemets, donc qui est plus quand vous utilisez l'aspect mixte NVivo, c'est-à-dire que vous faites à la fois du qualitatif et un peu du quantitatif. Moi, je fais principalement, pour le moment, du qualitatif, pardon, et donc je n'utilise pas trop ça, mais bientôt, j'utiliserai des questionnaires, et donc là, ça va commencer à devenir intéressant. Classification, moi, je n'utilise pas. Encore une fois, c'est en fonction du projet que vous utilisez, donc n'hésitez pas à aller voir sur Internet, ils ont des super tutoriels, donc quand vous avez une question, n'hésitez pas. Autant QSR que des utilisateurs font régulièrement des vidéos, c'est hyper intéressant aussi. Ici, c'est vraiment toute la logique bibliographique. Je trouve vraiment ça très très chouette qu'ils aient enfin mis les différents types de programmes, parce qu'avant on avait principalement Zotero et on avait un peu Mendeley. Mais maintenant, ils ont décidé de vous offrir la possibilité de travailler avec n'importe lequel. C'est vraiment très très pratique. Si vous voulez, dans une prochaine vidéo, je vous ferai les plus, les moins, astuces et autres entre les différents programmes. Moi, j'utilise principalement Zotero, et je commence à utiliser Mendeley. Pourquoi? Parce qu'ils ont des spécificités différentes. Donc, si vous avez envie, mettez un petit commentaire et je vous ferai une vidéo prochainement là-dessus. De toute façon, c'est dans mes projets, mais bon, en fonction des commentaires, je le ferai peut-être passer à l'avant dans les projets. Ici, vous pouvez importer tout ce qui est documents extérieurs ou mémo. Donc, des mémos que vous pouvez sous forme de doc et autres. Donc là, vous lui signifiez vraiment, ce n'est pas une data sur laquelle je veux absolument travailler, c'est plutôt sous forme de mémo, de notes que je veux que tu me l'importes.
Et donc ça, c'est hyper intéressant, c'est assez nouveau, je pense. Et donc ça vous permet de le mettre dans directement un autre type de boîte de rangement, on pourrait dire, dans Invivo, qui est plutôt de l'ordre, bah, par exemple, si vous faites vos biographies d'auteur dans Word, vous pouvez les importer comme mémo, ça peut être vraiment pratique. Par la suite, je trouve que c'est encore plus pratique, c'est le fait d'en pouvoir importer des carnets de notes. Les carnets de notes, par exemple, moi j'utilise Evernote comme cahier de terrain, donc ça c'est très utile de pouvoir directement l'importer. Vous verrez qu'il le fait il peut faire par mois parce que vous n'avez pas déjà apporté dans Invivo. C'est vraiment pratique pour se tenir au fur et à mesure au courant de ce qui se passe. Donc ça permet de synchroniser directement votre carnet Evernote. OneNote, c'est possible aussi, c'est pareil. Moi j'aime un petit peu moins le fait d'utiliser OneNote parce que les classements pour moi sont moins visuellement clairs et autres, mais c'est tout aussi pratique. On peut l'utiliser aussi pour ses carnets de terrain, c'est synchronisé, même chose qu'Evernote, mais là à travers votre compte Google. Donc je trouve que c'est un outil très intéressant. Bon, moi pour ma part, je l'utilise pour prendre des notes dans tout ce qui est mon travail professionnel en dehors de mes recherches. Donc tout ce qui est mon travail d'assistante à l'université, ben, je l'utilise. Donc ça, c'est vraiment le côté, je trouve, pratique d'avoir différents programmes accessibles sans devoir payer. Enfin, Evernote, maintenant, on doit un peu payer, mais quand on a une utilisation restreinte, on ne doit pas. Donc voilà, si c'est un ou deux ordinateurs, c'est bon. Donc quand vous avez une utilisation restreinte, c'est gratuit, et ça, c'est totalement gratuit. Donc ça permet vraiment, je trouve, d'apporter quelque chose de supplémentaire. Donc si vous faites vos cahiers de terrain à travers ça, c'est hyper intéressant de l'utiliser. Je vous ferai une vidéo de comparatif entre les deux, parce que je trouve que c'est intéressant de savoir un petit peu comment s'organiser et à quoi ça ressemble. Et vu que je le fais pour un de mes cours, bah, je trouve que c'est intéressant de proposer ce contenu-là aux étudiants et même ceux qui sont en Erasmus. Voilà, je le ferai à un moment donné. Et Outlook, c'est pratique. Pourquoi? Parce que vous pouvez importer des mails. Et ça, quand vous utilisez vos mails pour parler avec certains de vos acteurs de terrain ou pour envoyer des questionnaires ou pour recevoir des réponses et autres, c'est vraiment pratique. Donc voilà, il n'y a pas Gmail, mais il y a Outlook. Donc ça peut être un outil intéressant. Donc si vous utilisez pour votre recherche Invivo, ça pourrait être très pratique pour vous de passer à Outlook pour vos comment dire, vos contacts liés à votre recherche, ça vous permettra d'importer et de traiter les données directement dans Envivo. Donc voilà, ça j'utilise pas du tout. Faudrait peut-être que je m'y intéresse, mais pour le moment je l'utilise pas. Donc voilà, je vous présenterai pas ça parce que je suis pas encore à même de vous le présenter. Donc voilà, petite chose au niveau de l'importation. Sachez aussi qu'il est possible de créer directement des documents dans Envivo. Moi, j'utilise pas forcément. Donc, vous voyez qu'on peut directement créer un document Word à l'intérieur de Envivo. Moi, j'utilise pas parce que simplement, bah, je préfère avoir toujours une version sur mon ordinateur. Ainsi, j'ai toutes mes données d'un côté dans un dossier que je sauvegarde, toutes les données brutes, on pourrait dire, et j'ai mon projet Envivo qui me permet de les traiter. C'est simplement une question d'organisation interne. Ce n'est pas forcément une question de, comment dire, c'est moins bien de créer son document dans Envivo, mais c'est simplement vraiment moi qui fonctionne comme ça. Donc on va commencer directement dans le vif du sujet, importation de données. Alors je vous conseille ici, vous voyez, je viens de faire un clic droit et j'ai un menu déroulant qui se crée. Je pense aussi qu'on peut le faire ici. Ah non, maintenant ils ont changé. Mais dans Create, on pouvait créer des dossiers aussi. Maintenant, vous faites à partir du clic droit. Pas plus mal. Et vous créez un nouveau dossier. Alors, en général, ce nouveau dossier, moi, j'aime bien faire dans les à traiter. Donc, c'est-à-dire que régulièrement, je me fais des petites sessions de documents, surtout dans mes recherches bibliographiques, mais ça m'arrive aussi sur mon terrain, sur des sites internet et autres, d'avoir directement un à traiter. C'est-à-dire, j'ai importé tout, mais je dois encore les classer. Ça, c'est le premier dossier que je trouve qu'il est intéressant de faire. Sinon, vous pouvez créer d'autres dossiers. Moi, je trouve intéressant de mettre en fonction du type de fichier, les PDF, les captures, etc. Mais vous pouvez faire d'autres types
de dossiers, comme par exemple ben, le champ thématique que ça recouvre. Ah non, pardon. Je fais une petite rectification. Dans mon premier projet Invivo, j'avais fait en fonction du type de fichier, mais dans mon deuxième, j'ai fait en fonction des thématiques. Donc j'essaye déjà là d'avoir simplement dans quelle grande thématique s'inscrit le document. Par exemple, j'ai fait des dossiers anthropologie générale, donc ce qui n'est pas du domaine précisément de mes recherches, par exemple l'anthropologie du don, qui n'est pas l'anthropologie du jeu vidéo. Ben, j'ai fait un dossier anthropologie générale, puis un sous-dossier avec anthropologie du don. Et donc là, ça me permet de directement avoir accès à des fichiers qui sont plus orientés en fonction d'une thématique générale. Donc je ne traite pas ça hyper précisément parce que par la suite, ben, les nœuds vont le faire. Mais par contre, ça me permet de, par exemple, quand je fais des recherches au niveau épistémologie, où je veux faire une présentation, c'est beaucoup plus sur de l'épistémologie. J'ai qu'à rentrer directement dans mon dossier épistémologie pour avoir une idée des différents documents et autres, et en fonction des titres, ben là je peux vraiment avoir accès à des données intéressantes. Donc voilà, c'est à vous de le sentir, mais le à-traiter pour moi, c'est un dossier qui est vraiment très pratique parce que ça vous permet, sans trop vous prendre la tête, de retrouver là où vous en êtes et de voir quel est le travail qui vous reste à faire. Alors dans à-traiter, on va pourquoi pas importer un PDF pour commencer. Donc vous verrez que le document Word, c'est la même façon de fonctionner que les documents PDF. Donc je vous fais plutôt la présentation PDF, sinon ça ferait extrêmement long sur la vidéo de chaque fois vous présenter différemment, mais c'est exactement les mêmes logiques. Donc vous importez votre PDF, oui c'est bien ça. Donc là, il vous propose le nom. En général, tant que c'est pas classé, je ne remplis pas ça. Mais vous pouvez le faire directement, hein, c'est tout à fait intéressant. Parce que l'important, quand vous allez les avoir affichés, c'est de retrouver rapidement quel est l'auteur et quel est le titre. Donc ce que je fais en général, c'est que je mets assez vite auteur-titre. Ici, ben, par exemple, je pourrais rajouter QSR pour montrer que c'est comment dire, que c'est QSR qui a fait ce guide d'utilisation. Guide de départ d'utilisation, bah voilà, ça me permet directement de le voir en un seul coup d'œil dans ma liste. Oui, petite chose aussi pour ceux qui n'ont pas l'habitude, sachez que tout ce qui est espace et autres, c'est vraiment mal vu dans les noms de fichiers. Je vais y revenir dans la partie sur les vidéos, parce que ça c'est hyper critique. Mais prenez l'habitude à partir de maintenant, quand vous avez un fichier, peu importe si vous l'enregistrez sur Word ou autre, de ne plus utiliser de caractères spéciaux, donc par exemple les E, accent aigu ou accent grave, etc. Et de ne plus utiliser les espaces. Ça passe assez mal. Et dans les anciennes versions d'Envivo, ça passait très très mal. Maintenant, ils ont réglé le problème. Mais c'est beaucoup mieux de faire comme ça. Ça vous évitera bien des conflits quand vous essayez d'importer des fichiers. Ça vous permet aussi, quand vous allez utiliser certains autres programmes ou d'autres ordinateurs, qu'il n'y ait aucun problème. Donc, évitez les caractères spéciaux et utilisez les underscrolls, donc le long tiret et le court tiret pour vos fichiers. Ça vous permet voilà, de simplement avoir toujours la logique d'espace, mais d'avoir moins de problèmes au niveau bah, simplement de l'importation dans d'autres projets. Vous pouvez utiliser, je tiens à signaler ici, des couleurs. Vous pouvez aussi les mettre au niveau des clics droits. Je vous montrerai ça juste après. Ça peut être pratique en fonction de c'est urgent ou pas, ou si vous voulez classer en fonction de thème ou autre. Moi, je suis en fonction de green, ça va, c'est traité. Red, c'est vraiment important, traite-le. Orange, c'est intéressant. Yellow, pouf, pas du tout. Et purple, ça veut dire que c'est en cours. Donc voilà, vous voyez, j'ai utilisé ça. Vous pouvez utiliser d'autres systèmes, à vous de le sentir si vous êtes visuel, bah, si vous ne l'êtes pas, vous n'avez pas besoin de les utiliser. Et vous voyez qu'ici, bah, vous pouvez créer des attributs dans Envivo et directement les encoder. Bon, moi, je n'utilise pas trop ça non plus, mais ça peut être intéressant. Donc, si vous voulez aller voir une petite recherche Google, vous montrera comment ça fonctionne. Donc voilà, je vais importer maintenant mon fichier. Vous voyez que maintenant, dans mes files, il n'apparaît pas directement, mais par contre, dans mes à traiter, il apparaît. Quand vous double-cliquez dessus, le document va apparaître. Donc c'est comme ça que vous allez travailler. Sachez que pour les documents Word, il y a la logique de vous avez ouvrir
ici pour modifier. Sachez que c'est toujours intéressant de l'ouvrir quand vous voulez faire des modifications. Par exemple, vous voyez une faute d'orthographe que vous avez faite, vous pouvez le corriger directement, mais n'oubliez pas que si vous avez votre document ailleurs, bah, faudra aussi le faire à ce moment-là. Voilà. Donc pour ce qui est directement du traitement PDF, voyez que vous avez ici un nouvel onglet qui s'est ouvert, qui est le fait de traiter directement vos données à partir donc de cette prévisualisation, ce qui est hyper intéressant. Vous avez la possibilité de lire un mémo. Par exemple, bah, si je faisais un mémo sur NVivo, pardon, sur QSR, ben, je pourrais créer un nouveau pour faire une petite recherche, on pourrait dire biographique sur QSR et faire quelques documents, ce qui peut être pratique, par exemple, quand vous faites votre rédaction du travail scientifique, ben, pour avoir directement, ah merde, c'était quoi encore cet auteur? C'était un sociologue, un anthropologue, un politologue, ben, vous pouvez directement aller jeter un petit coup d'œil là-dessus, ça vous permet de retrouver assez facilement des données, ça vous permet d'enrichir aussi vos textes, qui est pas mal. Vous voyez que vous pouvez lier à autant un nouveau qu'un ancien, donc qu'un déjà existant qui se retrouvera donc dans la partie notes, mémo, vous aurez directement là-dedans. Donc ça peut être intéressant de le faire. Vous avez vu tout à l'heure lors de l'importation bah, qu'on peut importer des mémos sous forme de documents textes que vous avez déjà créés. Donc voilà, c'est à cet endroit-là que vous pouvez le faire. C'est intéressant de le faire assez vite. Pour simplement ben, enrichir votre document et prendre ça comme directement réflexe. Ici, vous voyez que vous avez toute une série comment dire, de possibilités de voir rapidement qu'est-ce qui se passe dans votre document. Donc, mettre comment on appelle ça encore en français? Des petits signets, voilà. Vous pouvez mettre des petits signets dans votre texte, vous pouvez zoomer, vous pouvez montrer des annotations, vous pouvez montrer les relations que vous avez faites, donc des relations par exemple entre deux documents. Bah, si vous tel type, c'est tel document que vous avez par exemple, vous pouvez le mettre en relation avec l'autre. Ça peut être intéressant. Ici, c'est intéressant de le voir parce que par exemple, quand vous montrez all coding, donc tous les nœuds que vous allez faire, vous allez les voir apparaître ici. Je vais vous le montrer très rapidement. Vous avez aussi la possibilité de montrer le surlignage que vous avez fait. Donc ça, c'est aussi, je trouve, hyper intéressant de pouvoir le montrer. Des régions, par exemple, si vous avez envie plutôt, pas de sélectionner le texte, mais de montrer des régions, par exemple, je pense pour les images, mais vous pouvez sélectionner sous forme de rectangle carrément une sélection spatiale à pouvoir encoder. Donc ça, c'est assez intéressant. Une fois que vous avez sélectionné, par exemple, du texte, vous voyez que vous avez code ici, donc nœuds, qui apparaissent. Là, c'est pour les... Ah, vous voyez, voilà, le réflexe de la première vidéo qui a été de mettre un rappel toutes les 5 minutes. Mais voilà, il vient d'être fait. Donc, vous avez ça directement qui est proposé. Donc, je viens de code in NVivo. Donc là, c'est simplement, il va reprendre ce qui est noté et il va directement l'encoder. Donc si vous prenez directement, par exemple, le mot hop, projet ici et vous faites code dans NVivo, vous avez un onglet projet qui va apparaître. Donc quand c'est un mot-clé bien particulier, ça peut être hyper intéressant de le faire. Donc je reviendrai, ne vous inquiétez pas, sur directement les nœuds, je vous montrerai comment on les classe et comment on les utilise. Mais ici, on va principalement se focaliser sur l'importation et le traitement des données dans NVivo. Donc, vous avez ici possibilité de, par exemple, comment utiliser ce guide. Bon, je vais peut-être aller dans le texte, ce sera peut-être un petit peu mieux. Par exemple, ici, je veux pointer que c'est de la recherche qualitative, mais imaginons, voilà, hop, ici, je prends tout. Je peux soit utiliser code ici, soit le raccourci contrôle F2, soit le clic droit. Moi, j'ai pris l'habitude de faire avec le clic droit. Et donc, voilà, je propose un nouveau nœud. Vous voyez que ici, si j'avais d'autres nœuds, hop, je pourrais y avoir accès. Là, vu que c'est nouveau, je n'en ai pas. Ici, je crée un nouveau nœud, recherche qualitative.
Voilà. J'encode et vous voyez que recherche qualitative vient d'apparaître et dans tous mes nœuds codés, il apparaît aussi ici sur le côté. Donc ça vous permet de voir là rapidement quand vous en, comme, où vous en êtes dans votre traitement. Donc pareil pour Word, vous sélectionnez et vous allez dedans. Par exemple ici, ben, avant, vous voyez, on ne pouvait pas facilement, ben, ici je ne peux pas sélectionner du texte, ce qui est vraiment dommage. Mais maintenant, avec cette partie région, ben, je peux encoder. Même principe, soit vous passez ici, soit CTRL F2, soit code. Et par exemple, je vais pouvoir mettre ici, oh, importation. Voilà. Sans faute d'orthographe, ce serait un peu mieux. Importation, hop, voilà. Si il parle, imaginons, plus loin de l'importation, imaginons ici dans source, ben, il parle notamment de l'importation, vous pouvez, hop, encoder. Et vous voyez qu'il y a la possibilité de faire dans les nœuds récents. Ça aussi, ça peut être pratique pour aller assez vite, vu que souvent dans les documents, c'est la même thématique. Vous avez ici la possibilité d'encoder directement dans la partie, on pourrait dire, récente. Ce qui est intéressant. Ici, vous pouvez aussi sélectionner et dire, ah non, finalement, c'était pas bon ou cette partie-là n'est pas bonne. Et vous désencoder ou vous désencoder des choses récentes. Ce qui est pas mal intéressant, mine de rien. Je l'utilise pas souvent, mais ça peut arriver. Alors ici, vous voyez que vous pouvez mettre des annotations, donc sorte de note en bas de page, pour lui dire, ben voilà, il se passe telle chose à tel endroit. Et donc, ça permet de mettre un commentaire, ce qui est hyper intéressant. Je pense que ça, c'est assez nouveau, mine de rien, dans NVivo. Donc voilà, vous pouvez mettre ça, vous pouvez aussi mettre dans les nœuds, ce qui est vraiment très pratique. Voilà. Ici, ça, j'utilise plateau, pas trop. C'est pour visualiser, par exemple, les mots-clés qu'il y a dans ce PDF. Donc, vous voyez ici, pour vous, ça se fait très, on pourrait dire, document qui essaye de vous vendre le produit. Pour vous, source, voilà, c'est. Vous voyez les mots qui sont les plus utilisés. Ça permet de visualiser assez vite ce qui se passe dans votre document. Ce qui peut être très pratique, mais bon, moi j'utilise pas plus que ça. Voilà pour ce qui est de l'importation des PDF. Donc on va maintenant passer aux autres types de documents. Donc on va apporter une image, hop, ouvrir. C'est exactement la même chose. Ici c'est aussi une image de QSR. Donc le réflexe QSR, hop, avec underscroll. Et voilà, je vais le mettre. Vous voyez que il vous pose aussi là quelques vous permet de voir en pixels comment est votre image, etc. Ça peut vraiment être pratique, mais j'utilise quasiment jamais ces attributs-là. Enfin, c'est pas ces attributs, ces onglets-là, je les utilise quasiment pas. Donc voilà, je reste assez basique dans mon utilisation. Vous voyez que vous pouvez ouvrir. Et même chose ici, vous avez de nouveau un onglet qui s'amène avec la possibilité de lire en mémo. C'est vraiment toujours les mêmes logiques. Vous avez la possibilité de nouveau montrer où vous avez codé, montrer les highlights. Vous voyez qu'ici, vous n'avez plus l'onglet texte et l'onglet région, zone de texte que vous pouvez, mais vous avez directement ça et les logiques de nouveau sont les mêmes. Vous avez la possibilité aussi d'éditer votre, par exemple ici, ben, vous pouvez mettre une remarque générale. Quand vous allez pouvoir sélectionner des zones, je vais enlever ça histoire que puisse. Et pas directement delete. Marron. Ah, mais c'est parce que je suis pas dans edit. Donc ça, c'est le réflexe à avoir. Vous voyez que je ne l'ai pas encore systématiquement. Mais quand vous ouvrez ici certains types de fichiers, que ce soit les documents Word ou les documents images, vous devez cliquer pour éditer avant de commencer à travailler dedans. Donc, vous voyez ici que j'ai fait un petit carré, une sélection, on pourrait dire, dans l'image et je l'ai annoté. Donc, je vais vous montrer comment faire. Déjà, il n'y a plus, contrairement au document, il n'y a plus possibilité de prendre du texte ou du texte ou une zone. C'est qu'une zone. Je tiens à dire d'ailleurs que certains PDF, tant que j'y songe, certains PDF vont vous faire le coup parce que c'est encore des anciens PDF qui ne sont que des images. Même si on voit du texte dessus,
C'est une image scannée. On n'a pas accès au texte directement dedans, bien qu'il y ait de plus en plus d'efforts là-dedans. Mais sachez que si un PDF vous fait le coup, ben, c'est simplement parce que c'est l'ancien PDF qui n'était qu'une image. Donc là, vous devrez traiter avec la sélection en région, comme ici en image. Donc, vous sélectionnez ici. Donc, vous avez votre sélection. Soit vous pouvez coder directement dedans, soit vous pouvez mettre des annotations, ce qui va faire apparaître ici en bas, par exemple. Voilà. Vous pouvez mettre une annotation. Mais vous pouvez ici aussi, dans cette partie région, vous pouvez mettre, je crois que c'est ici, voilà. Vous pouvez mettre donc clic droit et assign region to rows. Donc c'est vraiment je veux dire cette section-là, je veux que tu le mettes ici. Ce qui peut être pratique. Pourquoi? Parce que vous voyez, c'est pas la même logique que des annotations. C'est une description, par exemple, du contenu que vous pouvez mettre. Donc, d'un côté, ça vous permet d'avoir une description du contenu, peut-être même mettre, par exemple, qu'il est marqué website ici. Voilà, ça vous permet de dire ce qui est sur l'image et là, de mettre peut-être des réflexions personnelles, vraiment traiter vos données à ce moment-là. Voyez le type maintenant pour que vous ayez bien compris. On sélectionne toujours comme ici. On peut encoder en nœuds, on peut mettre des annotations, donc les notes en bas de page ici. Et on peut, une fois qu'on clique ici, en mettant ici ou utilisant Ctrl Insert, on peut mettre, vous voyez, les localisations. Et quand vous sélectionnez, vous voyez, hop, il va aller dessus. Il vous montre quelle est la zone qui est prise en compte. Donc, vous pouvez mettre directement dedans. Donc, quand vous allez avoir dans vos nœuds ici, une recherche par exemple sur image, mais dans tous les documents où il y a le nœud image qui a été encodé, mais aussi dans les images, il va vous le présenter. Donc il vous présentera sous forme ici de finalement localisation dans. Vous voyez que, hop, pas directement ici, il vous montre. Donc localisation et vous pourrez aller voir directement dans l'image. Donc c'est super pratique. Toujours le réflexe de sauver. Voilà. Et donc voilà, ça c'est pour la partie images et traitement des images. Alors maintenant qu'on a traité les PDF et les images, bon, pas les documents Word parce que c'est exactement la même chose que PDF avec Click to Edit. Donc vous êtes prêt à essayer par vous-même de traiter les documents Word. Je vous propose dans une prochaine vidéo de traiter ce qui est les documents audio et les documents vidéo. Donc je vais me concentrer sur les documents vidéo parce que c'est le plus complet entre guillemets, mais les logiques que je présente pour les documents vidéo se retrouvent dans le traitement des documents audio. Donc à très vite dans une prochaine vidéo. Vais rapidement vous montrer comment on fonctionne avec un document Word. Comment est-ce qu'on l'apporte? Donc c'est nouveau dans l'importation où vous allez. Donc dans les niveaux précédents, je vous mettais la petite image. C'est légèrement différent dans l'affichage, comme j'ai dit précédemment. Vous allez dans Files. Avant, c'était donc dans Documents, etc. Donc, je vais dans le bon dossier, je sélectionne le document DocX que je veux importer, je l'importe. Ok, donc ici je peux mettre que c'était une publication qui d'ailleurs a été publiée, vous pouvez aller la trouver sur academia.edu si vous voulez. Voilà, donc il apparaît comme d'habitude ici dans les documents à traiter. Ce serait intéressant de réorganiser petit à petit les dossiers quand vous allez travailler, que vous aurez fini. Ce serait intéressant que ce soit plus à traiter. Donc vous pouvez fonctionner par clic droit sur Files. Vous mettez par exemple, ben, je vais mettre publication. Ça pourrait être pas mal si vous faites un suivi sur Envivo de vos publications. Et donc quand vous l'aurez traité, vous pouvez hop le sélectionner, donc clic gauche tout simple, et le faire glisser dans publication. Même chose, une fois que vous êtes dans ici, vous pouvez tout à fait sélectionner également le clic gauche, on maintient et on fait glisser pour faire différents niveaux. Vous voyez qu'ici, ça peut être intéressant d'avoir dans les publications, mais pourquoi pas, hop, clic droit dessus, sur publication, new folder, je vais mettre revue, hop,
Et finalement, bah, plus qu'encore d'être dans les publications, je préfère que ce document ici soit dans revue, je le mets dans revue, le voici. Donc c'est important d'avoir plusieurs niveaux et de vraiment bien réfléchir à la structure que vous voulez pour vos dossiers quand vous importez les choses. Ça vous permet de retrouver plus facilement vos documents, comme je vous l'ai dit précédemment, vous pouvez faire par thème ou ici par type de document. Donc on va entrer dedans pour rapidement vous montrer. C'est exactement la même chose que PDF. Donc vous double-cliquez sur le document pour l'ouvrir. Vous voyez que ici, hop, vous pouvez sélectionner du texte, l'encoder exactement comme un PDF. C'est tout à fait pareil, vous n'êtes pas obligé de l'éditer pour entrer dedans. Vous avez de nouveau la même logique. Vous avez les documents que vous pouvez mettre, etc., que vous pouvez sélectionner ici avec toujours cet encodage que vous pouvez faire par clic ou pas. Vous pouvez mettre des nouvelles annotations, vous pouvez lier à d'autres documents ou à des mémos. C'est vraiment toujours la même chose. C'est vraiment à chaque fois les mêmes logiques. Si vous retrouvez par exemple une faute d'orthographe et que vous voulez absolument la corriger, vous pouvez par clic sur Edit, vous voyez, je peux écrire à nouveau du texte, le changer. Donc c'est intéressant, mais c'est exactement la même logique que PDF. Vous voyez ici d'ailleurs qu'ils ont mis ici des sélections rapides qui ressemblent très fort à Word. C'est pas plus mal, donc vous pouvez mettre en page certaines choses là-dessus. Si vous voulez travailler directement sur certains de vos documents que vous voulez par exemple écrire le début de votre article dessus, ça peut être une solution éventuellement. Moi, je ne l'utilise pas, mais voilà, je la signale, c'est toujours intéressant. Voilà pour ce qui est du document Word.